Bon, alors, je vais commencer par planter le décor de cette intervention. Alors, ça, c'est une partie du décor de mon intervention. C'est donc une partie de l'univers. Vous voyez là en haut, il y a une forme qui ressemble à une tête de cheval. Alors, c'est la nébuleuse de la tête de cheval. C'est une masse considérable d'hydrogène, énorme, énorme, à tel point que si elle était disponible sur Terre, tous nos problèmes seraient réglés. Sauf que la nébuleuse de la tête du cheval se trouve dans la constellation d'Orion, située à 1600 années-lumière de la Terre. Alors pourquoi je vous montre une partie de l'univers? Parce que, en fait, tout notre environnement, tout l'univers, et donc l'objet de ma conférence autour du stress, tout ça, c'est sous la contrainte de deux choses. C'est ce qu'on appelle la matière et l'énergie. La matière et l'énergie, c'est quelque chose qui a explosé il y a 13,5 milliards d'années par un phénomène tout à fait miraculeux qu'on appelle le Big Bang, où il y a eu cette explosion énorme de matière et d'énergie. Donc voilà, je commence par le commencement, c'est le cas de le dire, et puis je vais remonter le temps progressivement pour vous présenter ce qu'on appelle, oui, communément le stress. Alors, si je remonte le temps de manière un peu plus rapide, 4,5 milliards d'années, c'est la création de la Terre, avec principalement de l'eau, vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'eau. Et puis, 1 milliard d'années après, la vie apparaît, par des bactéries unicellulaires qui vont mettre encore des centaines de millions d'années pour s'agglutiner, pour donner naissance à ce qu'on appelle les cyanobactéries ou algues bleues. On commence vraiment à avoir quelque chose de vivant, d'élaboré. Et puis là, il y a un autre miracle qui se produit. Le CO2, qui était ce qui composait principalement l'atmosphère de la Terre à cette époque, va être capté par ces cyanobactéries, puis y avoir un échange, où l'oxygène contenu dans l'eau va arriver dans l'atmosphère et le CO2 va être capturé. Et là, il y a un énorme changement climatique qui s'est produit. Et c'est ce changement climatique qui a permis progressivement à la vie de se développer d'abord dans l'eau, d'arriver sur Terre, et puis de se développer sous forme de ce qu'on appelle les organismes supérieurs. Et voilà, ça donne voilà, cette merveille, ce miracle qu'on a autour de nous, hein, quelque chose d'absolument formidable. Donc ça, c'est le décor de l'intervention. Ça, voilà, la vie, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et qu'est-ce qui a permis, entre autres, à la vie et aux organismes de perdurer, de se développer sur Terre? Eh bien, c'est un phénomène qu'on appelle le stress. Enfin, en tout cas, tel que je peux le présenter là, ici. C'est ce que je vous donne là, la réponse non spécifique de l'organisme à toute demande d'adaptation. Donc, c'est valable pour tous les mammifères, pour quasiment tous les organismes vivants. La réponse non spécifique de l'organisme à toute demande d'adaptation, c'est la définition du stress, en tout cas la définition physiologique du stress. Comment vous comprenez cette phrase, cette définition? Qu'est-ce que ça vous évoque? Allez-y, qu'est-ce que ça vous évoque? Il y a une variété de réponses possibles. Il y a des variétés de réponses possibles. Oui, quoi d'autre? Inconfort, oui, quoi d'autre? La survie, oui, quoi d'autre? Le changement, oui. Et des fois, il y a un terme qui n'est pas bien compris, c'est l'aspect non spécifique, réponse non spécifique. Ce n'est pas la réponse spécifique de l'organisme à toute demande d'adaptation. Bonjour, entrez. La réponse, elle est non spécifique. Et ça, c'est vraiment un point important. Qu'est-ce que ça veut dire que une réponse non spécifique? C'est que quelle que soit la demande d'adaptation, quelle qu'elle soit, notre organisme va réagir de la même manière.
D'ailleurs, ce qu'on appelle le stress, c'est, en science, c'est aussi appelé le syndrome général de l'adaptation. Syndrome général de l'adaptation, c'est-à-dire un ensemble de symptômes identiques, quelle que soit la demande d'adaptation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que, vous voyez, ces arbres, ces magnifiques séquoias géants des États-Unis qui sont millénaires, ils ont rencontré des demandes d'adaptation vraiment énormes, vraiment importantes au fil des millénaires. Il a fallu qu'ils s'adaptent. Et ils se sont adaptés avec leur énergie. Notre organisme va, devant une demande d'adaptation, va produire une certaine quantité d'énergie pour que l'on puisse s'adapter. Physiologiquement parlant, il y a de l'énergie, je vais les détailler après, mais il y a de l'énergie qui est mobilisée pour que nous ayons la force de nous adapter. Et cette variation énergétique, c'est la capacité qu'a notre énergie vitale à varier pour nous permettre de nous adapter à l'environnement dans lequel on est. Ben voilà, ces arbres, quand il y a beaucoup de soleil, ils ne vont pas utiliser la même énergie que quand ils gèlent. Quand il y a un feu de forêt, ils ne vont pas utiliser leur énergie de la même manière que quand il y a des fortes pluies, des inondations. L'énergie des arbres, notre énergie à nous, va s'adapter, va varier. Alors, pour nous, humains, ce qui va se passer, c'est que notre énergie, enfin humain et mammifère aussi, c'est que notre énergie vitale va varier en intensité, et selon l'interprétation que l'on va faire de la situation à laquelle nous allons nous adapter. Par exemple, si j'imagine, j'ai une demande d'adaptation quelle qu'elle soit, si j'interprète que cette demande d'adaptation est positive pour moi, truc chouette, ben, mon organisme va produire de l'énergie pour que je puisse m'adapter à cet événement interprété par moi comme étant agréable, et mon énergie vitale va se colorer d'émotions, de sentiments, comme la joie, l'excitation, la motivation. Je vais avoir besoin d'énergie, et cette énergie va se colorer d'émotions et de sentiments. À l'inverse, si j'interprète la situation comme étant quelque chose de dangereux pour moi, imaginez que tout le monde veuille venir en vacances avec moi, ah je vais avoir de l'énergie qui va être produite par mon organisme, et parce que j'interprète cette situation comme étant désagréable pour moi, dangereuse, mon énergie vitale va se colorer d'émotions et de sentiments dits désagréables. C'est-à-dire, on a besoin, pour s'adapter, on a besoin d'une certaine quantité d'énergie colorée par les émotions adaptées à la demande d'adaptation. Alors, ça, ce sont des humains qui font leur course. Ils ont besoin d'énergie. D'énergie sous la forme de protéines animales. Donc leur carrefour, il est un peu différent des nôtres, mais voilà, ils sont obligés de s'adapter à l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et nous, c'est pareil. Alors, il faut bien être au clair avec la chose suivante, c'est que la vie n'est qu'une suite ininterrompue de demandes d'adaptation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Eh oui. Pourquoi la vie n'est qu'une suite ininterrompue de demandes d'adaptation ? D'où ça vient, cette histoire ? Pour être tranquille de temps en temps, non ? Non, mais l'évolution continue. L'évolution continue, oui. Mais la vie n'est qu'une suite ininterrompue de demandes d'adaptation, parce que la vie est régie, comme tout l'univers, par certaines lois. Et l'une de ces lois qui régit l'univers et la vie sur Terre, c'est la loi de l'impermanence. Est-ce que vous connaissez cette loi de l'impermanence ? Pardon ? Rien n'est fixé. Oui, voilà, c'est ça. Tout change constamment. Que ce soit au niveau du macrocosme, au niveau du microcosme, tout change constamment, même si on ne le perçoit pas.
Hein? Ici, à Larchant, il y a le rocher de l'éléphant, je crois que c'est 18 millions d'années. Il a beaucoup changé en 18 millions. Et là, il est en train de changer. S'il y a un varapeur dessus, le fait que le varapeur avec ses mains, c'est en train de changer constamment. Hein? Et d'ailleurs, on le sait bien, on passe tous beaucoup de temps, on fait beaucoup d'efforts, tous, chacun à notre manière, pour essayer de faire en sorte que les choses soient stables. Oui, mais on ne vieillirait pas. Hein. On ne vieillirait pas si les choses étaient stables. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est juste impossible. C'est simplement impossible. Donc, on ne peut pas ne pas être stressé ni ne pas ressentir d'émotion. Et ça c'est vraiment un point important, c'est-à-dire que dans la manière qu'a notre société en général de voir le stress, c'est qu'il faudrait qu'il n'y en ait pas. Ou il faudrait lutter contre, ou il faudrait le vaincre. Or, c'est impossible, puisque le stress, d'un point de vue physiologique, c'est cette variation énergétique qui va me donner l'énergie pour m'adapter à l'environnement dans lequel j'évolue, instant après instant. Donc, on ne peut pas ne pas être stressé, vous comprenez ? C'est impossible. Et certains titres de magazines ou certains titres de formation même, je vois ça encore, hein, c'est vaincre le stress, lutter contre le stress. C'est juste impossible. Si vous voulez ne pas être stressé, comme c'est impossible, vous allez être stressé, mais comme vous voulez ne pas être stressé, vous allez être stressé d'être stressé. Ça fait deux fois plus de stress. Hein? Et ça, c'est un mécanisme aussi qui est important, que peu de gens connaissent peut-être. C'est le mécanisme de la loi de l'effet inverse. Vous connaissez cette loi de l'effet inverse ? Hein ? Il y en a qui disent oui, il y en a qui sont... Mais tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît, la loi de l'effet inverse. La loi de l'effet inverse, ça s'applique à nous, humains. Elle s'enclenche à chaque fois que l'on veut se débarrasser de pensées qui nous gênent. On est dans son lit, on pense à la journée vachement importante qu'on a le lendemain, on se prépare mentalement, et puis au bout d'un moment, on se dit, bon, ok, c'est bon, là, il faut dormir, hein, parce que demain, ça va être chaud, sinon on arrête de penser, quoi. Ça ne marche pas. Les pensées reviennent. Et puis du coup, ça nous énerve. Et l'énervement n'est pas l'émotion appropriée pour s'endormir. Du coup, on ne s'endort pas. Hein? Donc la loi de l'effet inverse, elle s'enclenche à chaque fois que l'on veut se débarrasser de pensées qui nous gênent. À chaque fois qu'on veut se débarrasser d'émotions qui nous gênent. À chaque fois qu'on veut se débarrasser de sensations physiques qui nous gênent. Quand on se fait mal quelque part, on a mal, c'est gênant, c'est inconfortable, on aimerait ne pas avoir mal parce qu'on a un truc vachement important à faire, mais comme on a mal et qu'on aimerait... On ne fait qu'y penser et on a de plus en plus mal. La loi de l'effet inverse, c'est un vrai piège. Il y a deux pièges dans ce que je suis en train de vous raconter. Croire que l'on peut vivre sans stress, pas possible. Hein? Et croire que l'on peut se débarrasser de choses qui sont en nous. C'est pas possible. On en rajoute, hein, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le stress du stress. Hein. Vous savez, il y a, pour vous donner un autre exemple, de la manière dont la loi effet inverse se met en place, il y a une phobie qu'on appelle l'eurotophobie, c'est la phobie du rougissement. Hein. À chaque fois qu'on a une émotion, il faut que je fasse attention, pas tomber, à chaque fois qu'on a une émotion, ben voilà, il y a un peu de sang qui monte au visage, on a un peu chaud, et les gens qui sont eurotophobes, ils ont la phobie du rougissement, ils ne veulent surtout pas rougir. Donc, ils ne peuvent pas ne pas être stressés, c'est impossible. Ils ne peuvent pas ne pas ressentir d'émotion, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sentent cette chaleur, et puis ils luttent contre. Oh non, il ne faut pas que je rougisse. Ça crée une tension dans l'organisme, ça appuie sur tous les vaisseaux sanguins et par capillarité, comme l'humidité dans un mur, ça
ça augmente. C'est ça la loi de l'effet inverse. Donc vous pouvez, nous pouvons tous être en colère d'être en colère. Avoir peur de notre peur. Se sentir coupable ou honteux de notre culpabilité. Hein ? Donc vous voyez qu'au niveau des représentations sociales que l'on a de ces questions-là, ce qui concerne le stress ou les émotions, ben, il y a quelque chose d'un peu erroné. Donc du coup, le positionnement qu'on va avoir par rapport à nous-mêmes et par rapport à ces phénomènes va être tout à fait inadapté. Je vous parlais d'émotion tout à l'heure, ce n'est pas le sujet de cette présentation, mais juste pour faire un petit détour. Dans notre société, on a un gros problème avec les émotions. Alors avec la joie, tout ça, ouais, ça va bien. Avec les émotions dites confortables, ça va bien. Mais avec les émotions dites inconfortables, on n'en veut pas. On ne veut pas avoir peur. La colère, on n'aime pas ça. Donc du coup, dès que ça commence à monter dans une assistance, ah ben non, non, non. La culpabilité, on n'en veut pas. Sauf que ces émotions sont là depuis des milliers, des millions d'années. Vous croyez que quelque chose d'aussi miraculeux que la vie produit des choses qui ne servent à rien ? Enfin, qui perdurent. Si ça perdure, c'est que c'est utile. Hein ? Toutes les émotions ont leur utilité. Absolument toutes. Les mettre de côté, c'est se couper d'une richesse qui est la richesse du vivant. Hein ? Donc, on ne peut pas lutter contre son stress, on ne peut pas lutter contre ses émotions, on peut juste apprendre à faire avec. Apprendre à faire avec. Sinon, ça ne le fait pas. Encore un cheval, mais j'aime beaucoup les chevaux. Vous savez quel âge il a, ce cheval ? Vous le reconnaissez ? Ouais, c'est Lascaux. Lascaux, ça... Ça date de quand ? 19 000 ans ? Hein ? À peu près 19 000 ans. Il y a 19 000 ans, les chevaux, c'était une source d'énergie pour nous. On les chassait, on les mangeait. Ils nous apportaient leur énergie. Hein ? Et puis après, il y a eu la révolution agricole, hein ? 14 000 ans. On les a domestiqués, on a encore continué à les manger, bien sûr, mais ils nous ont apporté leur énergie sous une autre forme, l'énergie musculaire. Pour les travaux, les transports, la guerre, ils nous ont donné leur énergie. Hein ? Donc les chevaux ont vraiment accompagné le développement de l'humanité depuis très 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 longtemps, jusqu'à l'arrivée de la révolution industrielle, fin du 19e siècle, où l'homme a inventé le cheval vapeur. La machine à vapeur. Hein, on a encore les chevaux fiscaux administratifs. Mais au début, ils étaient chassés. Là, c'est ouvert. Je vais, à partir de cette photo, je vais continuer à remonter le temps. Hein, là, on est à 19 000 ans, nos ancêtres. Préhistorique, je vais progressivement remonter le temps pour vous présenter ce qu'on appelle les mécanismes physiologiques du stress. Dans ce qu'on appelle le stress, physiologiquement, il y a trois phases. La phase dite d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Donc, la phase d'alarme... Ah ouais. Nos ancêtres du temps de Lascaux, quand ils voyaient arriver cet animal foncé sur eux, hein, il y avait une production énergétique rapide dans l'organisme. Très rapide. C'est pas dans deux jours hein, qu'il faut se protéger. C'est maintenant, donc très rapidement. D'un seul coup, beaucoup d'énergie qui arrive. D'accord ? Et à votre avis, cette énergie, elle était colorée par quelle émotion ? La peur. Ah oui, la peur, c'est l'émotion qui est adaptée, enfin, en tout cas pertinente face au danger. Essayez de vous adapter à un danger en étant triste, ça, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Hein ? Et donc, du coup, nos ancêtres ont eu voilà, cette peur avec un afflux de sang dans les jambes.
pour fuir. Ça a marché. Pour certains d'entre eux, enfin en tout cas suffisamment pour que l'on puisse être ici aujourd'hui. Hein? Imaginez que notre ancêtre, face à cette lionne, parce que oui, on pense une lionne, soit bloqué contre un rocher, contre une falaise. Toujours cette énergie qui arrive pour s'adapter. Mais là, il ne peut pas fuir, il est impuissant. Quelle est l'émotion qu'il a ressentie alors? Oui, se défendre, mais quelle est l'émotion qui permet de se défendre quand on est impuissant? C'est la colère. C'est vachement utile la colère quand on est impuissant. Parce que là, ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans nos organismes, parce que tout ce que je vous dis, nous on a peu évolué, enfin notre vie a évolué, mais notre organisme peut. Hein. Là, il y avait un afflux de sang dans les épaules, les bras, les mains, les mâchoires, pour se battre, pour se défendre. Et puis pour certains d'entre eux, ça a fonctionné. Hein? Vous voyez, les émotions, c'est quelque chose d'utile. Même si elles sont inconfortables, c'est quelque chose de très utile. Hein? Donc, physiologiquement, la phase d'alarme qui a lieu à cette vitesse-là. Hein? L'organisme va, par des sécrétions hormonales, adrénaline, noradrénaline, dopamine, vous connaissez ces noms d'hormones, c'est associé à de l'énergie. Hein? Ces hormones vont augmenter la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le niveau de vigilance, la température corporelle et provoquer une vasodilatation des vaisseaux des muscles pour préparer l'organisme à s'adapter par les deux réactions stéréotypées, combat et fuite, que je viens de décrire. C'est génial. C'est génial. Mais enfin, ça peut pulser un petit peu et parfois ça peut être inconfortable, mais c'est génial. Hein? Et ça, cette réaction d'alarme, elle a lieu des centaines et des centaines de fois par jour. Elle est aussi rapide que ça. On a besoin d'énergie tout de suite, pas dans deux minutes, tout de suite. Hein? C'est au niveau alimentaire, ça correspond à la prise d'un sucre rapide. Ça va nous donner un coup de fouet tout de suite, hein, pour faire la comparaison. Et puis là, je fais un bond dans le temps, j'arrive à notre époque. Notre époque se caractérise par quelque chose que les scientifiques appellent, depuis les années 50, la grande accélération. Vous avez déjà entendu parler de cette expression, la grande accélération? Ouais. C'est-à-dire que depuis les années 50, tout accélère. La production agricole, la consommation d'énergie, l'invention des ordinateurs et l'accélération de la puissance de calcul des ordinateurs, la propagation des ordinateurs, la pollution, tout accélère. Je ne sais pas si vous sentez quelque chose de très rapide dans nos vies actuellement. Hein? Ça va trop vite, hein? Tout le monde le dit. Ça va vraiment vite. Hein? C'est ça. Ça caractérise la grande accélération. On n'a plus le temps. Enfin, le croit-on. Le croit-on. Hein? Donc, voilà, il faut de l'énergie. Hein? Il faut de l'énergie. Et puis, ce qui caractérise aussi notre époque, allez, c'est quelques mots. Hein? Allons-y. Développement. Compétitivité. Croissance, hein? C'est une norme. Hein? Donc, pour se développer, pour croître, pour être dans la compétition, on a besoin d'énergie. Et on en consomme beaucoup extérieurement, mais aussi intérieurement. Hein? Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau physiologique? Et c'est la deuxième phase du stress, enfin, du mécanisme physiologique du stress. C'est que si les demandes d'adaptation persistent, l'organisme va rentrer dans une phase de résistance. Et ce n'est pas une phase négative, hein. Jusque-là, on n'a pas encore de problème. Hein. Là, ce sont d'autres hormones qui vont être produites, on les appelle les glucocorticoïdes, elles vont augmenter le taux de sucre dans notre sang pour que nous ayons de l'énergie pour nous adapter. Hein. Et là, il n'y a pas de problème. Absolument pas de problème par rapport à ça.
Je voudrais juste revenir sur, voilà, sur cette photo, puis l'état de la société dans laquelle on vit. Tout accélère. Hein? Et il y a une chose qui nous fait accélérer, c'est la quatrième révolution. Hein? On a parlé des autres révolutions précédemment. La quatrième révolution, qui est la révolution dite numérique. Et les technologies de l'information et de la communication. Les plus anciens d'entre vous ont connu un temps où on travaillait sans Internet, sans téléphone portable. Entre ce temps, ce moment où on n'avait pas Internet, pas de téléphone portable sur nous, et maintenant, de combien les demandes d'adaptation ont été augmentées? C'est massif. C'est énorme. Parce qu'avant, quand on rentrait du boulot, quand on était dans le train, on pouvait se reposer. Maintenant, on est en train de checker nos mails ou nos notifications de réseaux sociaux, et ça, à chaque fois, c'est une demande d'adaptation, aussi infime soit-elle. Aussi infime soit-elle. Il y a certaines études qui ont été faites, hein, où dans un environnement de travail numérique, on est interrompu toutes les 6 minutes, en moyenne. Il y a des gens qui travaillent avec 2 écrans d'ordinateur, 2 téléphones portables et un téléphone fixe. Hein? Regardez le nombre de demandes d'adaptation dans une journée. Une demande d'adaptation, ça consomme de l'énergie. Celle-là. Donc ça correspond au niveau alimentation, au sucre lent. Ça nous apporte de l'énergie dans la durée. Mais au niveau physiologique, là pour l'instant, ça va très très bien parce que ce système est autorégulé par le cerveau qui gère la production de ces hormones, voilà, pour qu'on en ait suffisamment, qu'on ait suffisamment d'énergie. Hein? Donc jusque-là, ça va bien. Hein? Alors, à ce stade, on va faire un petit intermède. Voilà. Ça, ce que j'ai mis sur cet écran, c'est ce qu'on appelle un logiciel de biofeedback. Vachement marrant. Qui est muni d'un capteur. Encore plus drôle. C'est un capteur cardiaque. Le capteur détecte les pulsations cardiaques. L'application mesure l'espace de temps entre 2 battements et extrapole cet espace de temps en moyenne par minute. Puis elle fait ce calcul entre chaque battement. Donc l'application matérialise sous la forme d'une courbe ce que l'on appelle la variabilité naturelle du rythme cardiaque. Cette capacité qu'a notre cœur à accélérer pour nous donner plus d'énergie et à ralentir pour nous faire baisser en énergie. C'est bien foutu. Et la variabilité du rythme cardiaque est gérée par un système qu'on appelle le système neurovégétatif, qui comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Et ce système neurovégétatif comprend 2 branches. La première branche, on l'appelle le système sympathique. Pour faire très très simple et en résumé, le système sympathique, c'est l'accélérateur de notre organisme. Et l'autre branche du système neurovégétatif, c'est le système parasympathique qui, lui, correspond au frein de l'organisme. Et ces deux systèmes, alors c'est pas comme sur une voiture, ces deux systèmes fonctionnent l'un après l'autre. Ça accélère, ça ralentit, ça accélère, ça ralentit. Ça bouge tout le temps, c'est vivant. D'accord ? Ouais. Alors, à ce stade de ma présentation, j'aimerais faire avec l'un ou l'une d'entre vous une petite démonstration. Alors, quelqu'un qui n'est pas trop stressé, sinon ça va me stresser aussi, moi. Non, juste quelqu'un qui est OK pour faire cette petite expérience amusante. Ça fait pas mal, hein. Il n'y a pas d'électricité, c'est pas un détecteur de mensonges. Souvent, les gens me disent « Ah, t'as un détecteur de mensonges !» Non. Puis quelqu'un qui ne soit pas sous bêta-bloquant, puisque les bêta-bloquants empêchent cette variabilité du rythme cardiaque. Hein? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient? qui a envie de venir? Allez, Nadja, merci. Alors, juste paramétrer.
Voilà, donc on voit bien les oscillations. Quand la ligne monte, c'est le système sympathique qui prend le contrôle de l'organisme, suivi par le système parasympathique, ça accélère, ça freine, ça bouge tout le temps, c'est vivant, jusque-là, tout va bien. Voilà. Dans une situation où il n'y a pas de besoin énergétique particulier, où il n'y a pas de demande d'adaptation particulière. Donc maintenant, avec Nadia, on va faire quelques petits exercices. Nadia, si tu le veux bien. On va faire un petit peu de calcul mental. Ok ? Alors, concentre-toi. 83 moins 17. 83 moins 17. Trop dur ? Non ? Ça sent combien ? 72. On va faire plus simple. 83 moins 10. 73 moins 7. 6. C'est comme tu veux, hein, tu me dis. Hein. 66 ou 67 ? 67. 67, ok, très bien. Ça avance, 83 moins 17, donc. Bon, allez, arrête, on va arrêter le calcul mental, ça bug. C'est normal que ça bug, je vais vous expliquer pourquoi ça bug. Hein ? Ok, on arrête, laisse tomber, on arrête l'exercice. Hein ? Donc, ce que vous voyez là, c'est les réactions d'alarme. Hein ? Hein ? Demande d'adaptation à chaque fois. Et puis là, on arrête la demande d'adaptation, son organisme, on va voir dans quelques instants un joli petit coup de frein, le voici. Voilà, c'est bon. Ok ? Ça, ça se passe tout le temps. Ça se passe tout le temps en vous, ça se passe en moi, ça se passe en Nadia. Allez, on fait une dernière petite expérience. Tu vas penser, s'il te plaît, Nadia, à quelque chose qui dernièrement, je sais pas, t'as stressé, t'as dérangé. Tu vas pas forcément nous en parler, mais trouve une situation. Ça peut être les trucs de la vie quotidienne qui ont le don de t'énerver, tu vois. Trouve une situation bien particulière. Hein? Tu l'as là? T'en as une là? Ok, pense-y vraiment. Avec qui t'étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Et qu'est-ce que ça te fait? Hein? Ok, ouvre les yeux, arrête de penser à ça parce que... Hein? Non mais arrête vraiment d'y penser. Tant qu'elle va y penser, moi je le sais, je ne suis pas devin, hein? C'est scientifique. Hein? Ok. Voilà, puis on va avoir un coup de frein. Voilà. Et encore un coup de frein qui devrait arriver. Et le voilà. Ok ? Ça se passe tout le temps comme ça en nous. Super. Merci Nadia. Je te laisse regarder ton cœur. Tu peux me débrancher ? Ouais, débranche-toi. Ok, donc si on regarde, tu peux reprendre ta place. N'oublie pas, tu as tout pris. Ouais. Oui, c'est bon. Voilà le fonctionnement cardiaque de Nadia quand il se passe rien. Enfin, pas grand-chose. Demande d'adaptation, calcul mental. Hein, donc, elle prend 20 battements par minute en plus. D'accord ? C'est juste du calcul mental. Puis vous avez vu, à un moment, ça bug cognitivement. Hein? Donc je vais y revenir après. Et puis ça, c'est l'effet d'une pensée sur l'organisme. Intéressant, hein? Ben ça, c'est parce que l'esprit est incarné dans la matière, dans la viande. L'esprit est dans la viande. Donc l'esprit a un effet sur la viande. Hein? Hein? Donc, je vous laisse juste réfléchir à ce qui peut se produire pour Nadia, uniquement pour elle, hein, pas pour vous. Hein. Si elle rumine pendant un quart d'heure la situation à laquelle je lui ai demandé de penser. Donc, on a bien vu la phase d'alarme, hein, ce que ça pouvait donner sur un organisme. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que bah, ouais, jusque-là, tout va bien, ça marche vachement bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là où ça bascule,
c'est quand ça va trop loin. C'est là où on va commencer à avoir des problèmes. Hein? C'est ce qu'on appelle l'épuisement, la phase dite d'épuisement. Vous vous souvenez, trois phases. Alarme, résistance, on a vu. Et ce que je vais vous présenter maintenant, c'est la phase d'épuisement. Hein? Mais avant de vous présenter la phase d'épuisement, je vais faire un petit détour par ce qu'on appelle l'écologie et l'étude des écosystèmes. Hein? Imaginez, ça peut être une prairie d'ailleurs ici, comme on peut en trouver à Larchamps, avec une population de lapins. Les lapins ont des prédateurs. Hein? Imaginez que le prédateur principal du lapin soit le renard. Imaginez qu'un Lyricantois ou quelqu'un d'autre a importé un animal un petit peu en fraude ou des plantes exotiques un peu en fraude. Et que dans cette importation, sans le savoir, il y a un virus complètement inconnu à Larchamps qui débarque. Ce virus est inoffensif pour la plupart des êtres vivants, sauf pour les renards. Petit à petit, la population aux renards est décimée. Mécaniquement, la population de lapins, qu'est-ce qu'elle fait? Surtout que les lapins, pour se reproduire, bon, ça va vite. Donc, comme il va y avoir plus de lapins, eh bien, ils vont manger plus toute cette magnifique herbe. Puis il va y arriver à un moment où ce que l'on appelle, ça c'est une notion vraiment importante, hein, ce que l'on appelle la capacité de charge de la prairie va être atteinte. Et là, il va y avoir des effets de seuil. C'est-à-dire que comme ils ont mangé beaucoup d'herbes, et comme il y a moins d'herbes, l'humidité est moins retenue. Donc il y a moins de graines, moins d'humidité pour les faire germer. Donc moins de nouvelles herbes qui poussent. Comme il y a moins de nouvelles herbes qui poussent, les pollinisateurs ont moins à manger sur cette prairie. Et vous savez ce que font les pollinisateurs quand ils ont moins à manger? Qu'est-ce qu'ils font? Pardon? Oui, ça s'appelle, ils migrent, ce sont des migrants, ils se transforment en migrants. Ils vont à Saint-Pierre-les-Nemours. Hein? Et comme les pollinisateurs ne sont plus là, ben la pollinisation ne se fait pas. Donc petit à petit, la prairie s'épuise. Et puis on se retrouve à un moment où les lapins, comme il y a de moins en moins à manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils se transforment en migrants eux aussi. Ils vont ailleurs. Et on se retrouve avec un épuisement de la prairie et un effondrement de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a non seulement plus de renards, plus de lapins, plus d'herbes, plus d'insectes. Parce que la capacité de charge de l'écosystème a été franchie. Mais l'être humain est aussi un écosystème. Il a lui aussi une capacité de charge. Quand cette capacité de charge est atteinte, on arrive dans la troisième phase des mécanismes physiologiques du stress qu'on appelle l'épuisement. C'est-à-dire que lorsque les demandes d'adaptation se prolongent, s'intensifient, sans récupération suffisante. La prairie, on aurait pu la sauver si on s'était débrouillé pour qu'il y ait moins de lapins, si on l'avait... Non, on ne l'a pas pu la laisser au repos. Ben, un être humain, c'est pareil. S'il y a de plus en plus de demandes d'adaptation, de plus en plus de travail, de plus en plus de sollicitations entre le boulot qu'on a à faire, les activités des enfants, le jardin, notre propre épanouissement personnel, être un bon conjoint, une bonne conjointe, un bon cuisinier. Là, ce qui se passe, c'est que le système immunitaire s'épuise. Pourquoi le système immunitaire s'épuise? Parce que les glucocorticoïdes, ces hormones qui, dans la phase de la résistance, on l'a vu, vont nous apporter de l'énergie, il arrive un moment où elles saturent complètement notre organisme.
Dans le langage courant, ça s'appelle prendre sur soi. Et là, quand les glucocorticoïdes sont présents en trop grand nombre dans notre organisme, ça déprime le système immunitaire. Il s'affaiblit. Donc on tombe malade. Hein, le système immunitaire, c'est ce qui nous guérit constamment. On est tous en train de guérir, là. Sans s'en rendre compte, hein, la maladie n'est que l'interruption temporaire de la guérison. Hein? Donc, des gens qui sont épuisés, c'est typiquement des gens qui vont tomber malades le week-end ou au début de leurs vacances. Hein? Pour être tranquille avant de partir en vacances, on va finir tout ce qu'on a à faire pour être tranquille. Donc, on va augmenter notre charge de travail. On va donc augmenter nos demandes d'adaptation. On va prendre sur soi. On va faire fonctionner l'axe du stress de manière extrêmement importante. Ça va déprimer le système immunitaire. Après, c'est simple, vous partez en vacances, vous faites de l'essence, vous buvez un café dans une station-service. Là, c'est une fluorescence de bactéries, de microbes et de virus. Et puis là, c'est la loterie. Si vous croisez la gastro, c'est la gastro. Si vous croisez la grippe, c'est la grippe. Hein? Comme ça qu'on se retrouve malade en vacances. Parce qu'on a dépassé notre capacité de charge et on a franchi un seuil. Ah, ça va mieux. La nouvelle, c'est qu'il existe un seuil optimal de stress et que ce seuil optimal de stress va varier selon les contextes. Qu'est-ce que ça veut dire un seuil optimal de stress? C'est une quantité suffisante pour que je puisse m'adapter à ce qui se passe maintenant. Parce que m'adapter à hier ou à demain, c'est juste un peu compliqué. À ce qui se passe maintenant. Et cette quantité d'énergie, elle est variable selon les contextes dans lesquels je me trouve. Je n'ai pas besoin toujours de la même quantité ou de la même qualité d'énergie, vous êtes d'accord? Ouais. Sauf que la plupart d'entre nous, dès qu'on se réveille, c'est à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ça s'appelle la grande accélération. Ça dépend des personnes aussi. Et ça dépend des personnes. Hein? Et pour vous donner un exemple, si j'ai, une réunion à animer avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, pour pouvoir être persévérant, tenace, convaincant, regardez comment je suis, j'ai besoin d'une certaine quantité d'énergie. Hein? Et elle est pertinente pour ce que je suis en train de faire là. D'accord? Mais si je rentre le soir à la maison avec cette quantité d'énergie, c'est pas sûr que j'ai besoin de cette quantité d'énergie chez moi. Ok? Ou bien le soir, je peux avoir un coup de téléphone un peu compliqué avec quelqu'un, j'ai besoin d'une certaine quantité d'énergie. Cette quantité d'énergie qui est en moi, elle est pertinente pour ce coup de téléphone. Mais si je monte, alors il y a longtemps que je ne le fais plus puisqu'elle est grande ma fille maintenant, mais si je monte lire une histoire à ma fille avec cette énergie-là, qui est pertinente pour le coup de fil, je ne suis pas sûr, et j'en suis certain, ça va mal se passer avec elle. Vous savez pourquoi? Parce que je vais tourner un peu trop vite les pages. Là, il y en a qui connaissent. Hein? Puis l'enfant va dire, ben non, tu vas trop... Puis bon, voilà, vous connaissez. Hein? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, n'étant pas suffisamment conscient de ce qui se passe en nous, on amène des quantité d'énergie d'un contexte à l'autre, et c'est là où on peut commencer à avoir des problèmes d'adaptation. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir être en contact, de s'intéresser à ce qui se passe en nous, de s'intéresser à ce qui se passe au niveau du stress, au niveau de nos émotions. Sinon, on ne gère rien du tout, si on n'a pas l'info. Alors, dans une certaine situation donnée, si on n'a pas assez d'énergie, eh bien, on s'ennuie un peu, c'est pas super dynamique. Vous voyez, si j'anime la conférence comme ça, ce soir pour me coucher, ouais, c'est la bonne énergie. Et vous voyez, eux, ils sont dans la bonne énergie pour dormir. Ça dépend du contexte, vous comprenez, hein? Donc là, dans certains contextes, on peut être en sous-énergie. Hein? Et ça va nous créer des problèmes d'adaptation. A l'inverse,
dans d'autres contextes, on peut être en surénergie. Hein? Donc ça va surstimuler notre organisme. Ça peut entraîner de l'excitation, de l'emballement, de l'impulsivité. Hein? L'impulsivité, c'est quand on fait un truc trop vite, puis après on se dit « Ah zut hein? !» Oui, ça arrive, fréquemment. Hein? Surtout dans un contexte de grande accélération. Hein? Je rappelle, on est dans un contexte de grande accélération. Donc la surénergie, elle est vraiment présente à tous les niveaux, dans nos organismes, dans notre consommation énergétique, dans la vitesse avec laquelle on se transporte, on se déplace. La surénergie est constante, absolument constante. Et quand la surénergie est constante, on appelle cela le stress chronique. Donc, le stress chronique se caractérise par différents symptômes. Ce sont d'abord les tensions musculaires. Hein? On peut avoir très très mal ici, très 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 mal. Hein? On peut avoir des tremblements, de la transpiration excessive, des migraines. Hein? Mais forcément, quand on est complètement tendu ici, l'irrigation du cerveau se fait mal. Et on a très mal à la tête. On appelle ça des céphalées de tension. C'est directement lié au stress. On peut avoir des troubles de la digestion, c'est surtout l'hyperacidité gastrique, des problèmes de sommeil, d'endormissement ou de réveil intempestif. Avoir une fatigue chronique, et pour les gens qui ont ce terrain-là, ben des crises d'asthme, des problèmes de peau, des trucs qui sortent comme ça, là, bing, bing, bing. Hein? Ça n'arrive jamais quand on est calme, tranquille, détendu, hein? Jamais. Enfin, il me semble. Des problèmes de côlon, hein? Ce qu'on appelle surtout la colopathie fonctionnelle. Là, les crispations musculaires se mettent dans les petits muscles lisses qui tapissent la paroi de l'intestin. Ça crée des rétrécissements derrière un ballonnement et des problèmes de transit intestinal. Donc on a des crampes intestinales et soit de la constipation ou de la diarrhée, ça dépend des formes. Directement lié au stress. Quand on a ça, on fait des coloscopies, on trouve aucune lésion, rien. Et le médecin vous dit bah, « vous êtes stressé, monsieur ». Modification de poids dans un sens ou dans un autre. Alors là, la vie est injuste. Hein. Ça ne marche jamais dans le sens dans lequel on aimerait. Ça ne marche pas. C'est comme les régimes, ça ne marche pas. Alors le stress chronique peut aussi favoriser tous les problèmes cardiaques. Vous avez vu comment ça monte sur le cœur hein. Vous avez vu ben forcément. Au bout d'un moment, ça peut. Il y a une capacité de charge qui peut être atteinte. L'hypertension, le cancer, pourquoi? Parce que c'est une maladie auto-immune, pas seulement auto-immune. Il y a des facteurs cancérogènes, des pollutions qui sont de choses qui sont affreuses et qui vont déclencher le cancer. Le système immunitaire, il peut rien faire contre ces pollutions-là. Mais on a tous des cellules cancéreuses, ne serait-ce que les grains de beauté. Mais le système immunitaire, tant qu'il fonctionne bien, il s'en occupe. Et puis, il y a un moment, parce que voilà, la capacité de charge, on a eu un choc émotionnel, quelque chose de difficile dans notre vie. Ah. Épuiser nos réserves en vitamines et en éléments minéraux, vitamine B, C et magnésium. Donc c'est pour ça qu'on nous vend en pharmacie du magnésium pour reconstituer nos réserves. Sauf que pour savoir si on est carencé, il faut faire une prise de sang. Hein? Sinon, on ne peut pas... Mais l'effet placebo, ça marche bien. Donc quand on achète quelque chose en pensant que ça va nous aider, la plupart du temps, ça nous aide. Hein? Affaiblir le système immunitaire, j'y reviens pas. Perturber la sexualité... dans un sens ou dans un autre, là je ne sais pas si la vie est injuste ou pas, je ne sais pas, à vous de voir, provoquer un vieillissement prématuré par usure de l'organisme. Je pense que ça c'est facile à comprendre. Au niveau psychologique, différents symptômes. Alors j'aime bien cette photo parce que pour moi c'est un orage neurologique, ça ressemble à un orage neurologique. Et Nadia en a eu un. À un moment... En fait, ce qui se passe, c'est que sous l'effet du stress et de l'émotion, la partie supérieure de son cerveau, ce qu'on appelle le néocortex, celui qui gère le langage, la mémorisation, l'analyse, toutes les fonctions dites intellectuelles, supérieures, cognitives, disjoncte. C'est pour ça que quand on est stressé, on a du mal à trouver ses mots, on bafouille, on ne se souvient plus. On a du mal à comprendre, réfléchir, analyser. C'est parce que, voilà... trop d'énergie et ça disjoncte. Donc, sur le plan psychologique, l'excès de stress va engendrer ces différents symptômes. Difficulté de concentration, trouble de la mémoire, manque de lucidité, de recul, d'initiative, voilà.
Repli sur soi, indécision, entêtement, rigidité, peur du changement. Alors, entêtement, rigidité, peur du changement, je vais essayer d'aller vite pour vous expliquer ça, mais c'est important, on pourrait croire que c'est un profil psychologique dit psychorigide. Alors, ça existe, hein, des gens qui ont ce profil-là. Hein. Mais chacun d'entre nous peut, à certains moments dans sa vie, tomber dans cette manière de fonctionner. Ça, c'est quoi? C'est que inconsciemment, on sait que notre capacité de charge a été atteinte et que si on va plus loin, on va s'effondrer. Donc, on refuse absolument toutes les demandes d'adaptation, même celles qui sont positives, même aller voir des amis. C'est juste, c'est plus possible. Hein? Non, la dépression, c'est encore autre chose. J'en peux plus. Foutez-moi la paix. Alors, c'est pas formulé forcément comme ça, mais voilà ce qui se passe. Hein? Et puis, quand la capacité de charge et l'effet de seuil a été atteint, c'est ce qu'on appelle l'effondrement. Hein? Et l'effondrement, ça porte un nom qu'on appelle le burn-out. Vous apprécierez mon accent anglais. C'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental lié à une longue exposition à des situations exigeant une implication émotionnelle importante. C'est de plus en plus fréquent. De plus en plus fréquent. C'est-à-dire, grande accélération, toujours plus. Toujours des objectifs encore plus importants, avec des moyens, avec plus de rentabilité. Donc, si vous voulez augmenter l'objectif, la rentabilité, il y a des trucs qu'il faut enlever. Hein, c'est mécanique. Alors, ce qu'on appelle le burn-out, ça a été théorisé par un psychiatre américain qui a remarqué ce phénomène-là chez les soignants. Après la guerre du Vietnam, ceux qui soignaient les GI faisaient des burn-out. Ils s'effondraient complètement. Parce que l'implication émotionnelle était extrêmement importante pour eux. Et puis petit à petit, on a vu ça grossir. Alors, le burn-out se caractérise par trois dimensions. L'épuisement émotionnel, le cynisme vis-à-vis du travail et la diminution de l'accomplissement personnel au travail. L'épuisement émotionnel, c'est on n'en peut tout simplement plus. On a beau se reposer, beaucoup, quand on sort du sommeil, on est aussi fatigué. Ça, c'est un symptôme important. Hein? C'est quand la fatigue ne cède pas au repos. Quand ça va bien, ok, je dors, je me réveille en forme. Quand on est proche du burn-out ou dans un burn-out, je me réveille tout aussi fatigué. Donc ça, c'est le premier point. Le cynisme vis-à-vis du travail, c'est un mode de défense. Hein? C'est un mode de défense, c'est-à-dire qu'on va commencer à se déshumaniser, commencer à accuser les autres. L'enseignant va dire, ben ouais, mais c'est de la faute de ses étudiants, de toute façon, vous avez vu comment ils sont élevés, ils ne respectent rien, et puis les parents qui les élèvent mal. On va comme ça se désengager. Hein? Ou ça va être les clients, ou ça va être le manager. Ça peut être vrai, hein? On peut tomber sur des managers qui sont des grands pervers narcissiques, ça c'est autre chose. Mais il y a cette dimension qui, voilà, où on est obligé de prendre du recul par rapport à ça, parce que sinon, on pète tout simplement les plombs. Hein? Donc ça, ce sont des signes qui sont un peu avant-coureurs, et la diminution de l'accomplissement personnel au travail, c'est à un moment, on pense que quoi qu'on fasse, on n'y arrive pas. C'est pas possible. On n'y arrive pas. On n'est pas utile. On n'est pas bon. Et que ça a plus de sens, tout ça. Alors, pour résumer, on a des facteurs qui sont liés au travail. Les facteurs liés au travail, je vous en ai parlé. Hein, croissance, rentabilité, etc. Mode de management. Hein, ça, c'est les facteurs liés au travail. Des facteurs liés à l'individu. Ben, un problème personnel, c'est compliqué avec mon enfant, c'est compliqué avec mon épouse, je viens de perdre un parent. Hein, qui affaiblissent notre capacité de charge. Et dont l'engagement dans le travail. Ça, c'est un point extrêmement important.
un travailleur qui n'est pas impliqué dans son travail ne fera pas de burn-out. Hein? Donc souvent quand je fais de la prévention de burn-out en entreprise, je travaille avec des managers qui me disent mais qu'est-ce que je peux faire pour mon équipe pour prévenir le burn-out? Je lui dis occupez-vous des meilleurs éléments. Bien bon, pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le plus grand facteur de risque. Les gens qui sont intéressés par leur travail, qui sont impliqués, qui sont motivés, les bons élèves. Mais cela, sauf que cela, on ne s'en occupe pas quand on est manager, puisque ça roule avec eux. Et comme ça roule avec eux, on leur en demande encore. On leur en demande encore. On leur en demande encore. Et comme c'est des bons élèves qui sont très impliqués dans leur travail, ils ne disent pas non. Hein? Donc, voilà. Quand il y a une absence de régulation par rapport à ça, on va tomber soit dans le stress chronique ou directement dans l'épuisement professionnel. Quand il y a une absence de régulation, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de soutien social dans la famille, peut-être parce que le conjoint est aussi surmené, hein, que peut-être que les collègues sont eux aussi à fond, et qu'ils ne prennent pas le temps de discuter, de se dire, bah, tiens, parfois même de se dire, bah, tiens, comment ça va? Est-ce que ça va? Ouais, ça va, ouais. Ah ouais, mais il y a plein de gens qui disent, ouais, ça va, en faisant une mine comme ça. Parfois, on ne s'arrête pas pour les... Hey, de solidarité, de soutien social, d'attention portée aux autres. Hein? Il me semble qu'il faut faut mettre des radars. On nous en met plein des radars sur les routes, là. Mais non! Enfin, mais oui, on nous en met plein des radars sur les routes pour préserver notre santé. Pour faire descendre le nombre de morts. Quels sont les radars qu'on met par rapport à ces questions-là? Il y en a peu, ça commence à se faire, mais il y en a peu. Hein? L'Institut national de recherche et de sécurité, qui est l'institut officiel qui gère et étudie les problèmes de sécurité au travail, hein, donc de sécurité physique et psychologique, hein, estime qu'il y a en France actuellement entre 3000 et 4000 personnes qui meurent chaque année de stress au travail. Où sont les radars? Hein? Mais c'est facile à compter, hein? Voilà, on est ici dans un monde agricole. Voilà, vous connaissez les statistiques des suicides chez les agriculteurs, c'est un par jour. Ça fait déjà 360, donc on y arrive vite à 3000 et à 4000. Ça va très très vite. Alors après, effectivement, on parlait de dépression tout à l'heure, ben ouais, au bout d'un moment, on arrive sur des choses qui sont encore plus graves. Troubles anxieux, dépression, suicide. Hein? Ou des arrêts de travail très très longs. Hein? Ok, je vais m'arrêter là pour la première partie de cette soirée, et puis on va passer un peu de temps au débat. Alors, à Résilient, on a une manière particulière de faire des débats, c'est ce qu'on appelle des débats participatifs. On va pas débattre comme ça, en tout cas pas tout de suite. Ce que je vous propose, si vous le voulez, c'est de vous lever. Allez, montez en énergie. C'est de vous lever et puis faites des petits groupes de 5-6 personnes avec les gens qui sont proches de vous. Occupez toute la salle. Échangez par rapport...